Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ce motif pour pouvoir faire un bracelet. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il vous faut. Voilà, ici, on retrouve le matériel qu'il nous faut. Alors, vous pouvez utiliser soit du fil comme moi, Nimo, soit du fil pour Miyoki, soit du fil Céléone. Pour cette façon de tisser, tout simplement. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Là, j'ai choisi quand même du blanc et de l'argenté. Et à la place du bleu, j'ai choisi du orange pour voir ce que ça donne. Vous aurez besoin d'une aiguille de 10 ou de 12. Là, pour cet exemple, dans ce tuto, je vais utiliser une aiguille de 12. Et vous aurez besoin, bien sûr, d'une paire de ciseaux, tout simplement. Vous aurez aussi besoin d'un fermoir pour votre bracelet. Ici, c'est à clip. Vous pouvez choisir un mousqueton, peu importe le fermoir que vous choisissez. Voilà. Voilà, nous, on se retrouve tout de suite pour la création de ce motif. Voilà, alors, vous allez prendre une argentée et vous prenez cette blanche. Si vous avez besoin d'un stopper, vous prenez un stopper. Moi, j'en ai pas besoin. Et puis, si j'essaye de ne pas faire un nœud, ce serait parfait. Alors, j'ai enroulé les fils. Désolée. Voilà. Je vais juste laisser un petit bout pour pouvoir tenir pour faire mon paillote. Et pour les personnes qui ne savent pas faire ce point, je vous mettrai le lien en dessous dans le descriptif pour pouvoir eh bien, apprendre le point paillote, tout simplement en tissage. Je vois un petit chenille. Voilà, désolée. Et pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites à ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours vous inscrire, vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand les prochains tutos vont sortir. Alors vous prenez une blanche et vous la passez dans la deuxième. Une argentée et on passe dans l'argentée. Voilà déjà ce que nous avons comme ceci. On va prendre une orange. Une argentée. Et là, vous prenez une argentée. Et une orange. On reprend une orange. Une autre orange. Une argentée. Et on part avec le blanc.
Vous prenez blanc. Une argentée. Et orange. On repart avec du orange. Du orange. Désolé. Hop là. Juste mettre mon fil comme il faut. Voilà. Du orange. Argenté. Et là, vous reprenez une argentée. Et on part en orange. Là, on repart en orange. Et dans l'autre sens, on repart en orange. Mais pas toute la ligne. Là, vous reprenez une dernière orange. Et ici, on part en argenté. On repart en orange. Et ici aussi, orange. Il a une argentée. Et là, vous partez en blanc. Une argentée. Et orange. Reprends orange. Il a une argentée. Il a blanc. Repart en blanc, une argentée et orange. On repart en orange. Une argentée.
et blanc. Repars en blanc. Une argentée et la argentée. Et là, en blanc. En blanc. On repart en blanc. En blanc. Oups. Sans tirer au bout. Je tire au bout, c'est pas grave, je remettrai après. En blanc. Et en blanc. Et là, vous partez en argenté. Continuez en blanc. Ici, on repart en blanc. Et en argenté. Et là, vous commencez en orange. Argenté. Et blanc. Blanc. Blanc et argent. Orange. Orange et orange. Argenté et blanc. En blanc, en argent et en orange. 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 Et orange. Et là, on repart en argent. On reprend une argentée. Et on part en orange. Orange.
Et là, on fait en orange. Argenté. Et on continue en orange. Orange. Et argenté. Et là, on repart en blanc. Argenté. Et vous repartez en orange. Je reprends une orange. Et une argentée. Et là, c'est blanc. Et on repart en blanc. Argenté. Et orange. Vous reprenez une orange. Argenté. Et on repart en blanc. On repart en blanc. En blanc. Et en blanc. Argenté. Et là, on reprend une argentée. Et on repart en blanc. Saison 2 en même temps. Hop. Je vois qu'il y a. Hop. Faites attention avec votre fil. Hein. Là, en blanc. Et en blanc. Là, on repart en blanc. Voilà. Je vais m'arrêter là. On a déjà le motif. J'ai sorti le fil, c'est pas grave. Alors ici, vous allez aller de nouveau, vous allez continuez jusqu'en bas, tout en blanc, et en remontant, vous prenez une argentée et vous recommencez exactement le dessin. Ça fait exactement ce motif-là. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Désolée, je ne suis pas chez moi, alors j'ai un petit peu de mal à être à ma place pour pouvoir faire ce tuto. Pardonnez-moi, les prochains seront bien mieux. De toute façon, je vous réserve une surprise, comme je vous ai dit, tout va changer un petit peu. Il y aura un petit peu des décos, il y aura 2-3 choses qui vont changer.
Voilà, quant à nous, on se retrouve dans le prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et de liker si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. Sinon, on se retrouve très vite dans un prochain tuto. À bientôt.